Et salut à tous, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Une intro très rapide aujourd'hui parce que on va faire ça assez bien, mais assez vite aussi. Donc, aujourd'hui, encore vidéo de Noël, évidemment, 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 toujours évidemment. Trois fois évidemment, ça fait déjà beaucoup. Là, ça fait déjà cinq. Vous avez compté, c'est bien. Donc, ici, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est également parce que j'ai cinq boosters devant moi. Tout était prévu, ne vous inquiétez pas. Bon, du coup, on en a cinq. Cinq des nouveaux qui sont sortis, les Saiyan Showdown. Showdown. Voilà. Et du coup là j'ai seulement trois images. Donc seulement trois images quoi. Genre comme je dis. Du coup, voilà, Unison Warrior Series Boost, Saiyan Showdown. Donc il y en a 12 à l'intérieur. Voilà, c'est le B15. Voilà, du BT15. Oui petit chat. Du BT15, tu as bien entendu. J'ai dit oui. Vous l'entendez vous aussi. Bon. Bref. Du coup, comme je disais. On peut y voir Goku. Gohan, Son Goten, voilà en train de faire le Kamehameha final là, pour pulvériser son ennemi. On peut y voir la petite Kefla, là elle est fusionnée, oui là elle est fusionnée donc c'est Kefla. Et là le petit Kaba, Kabe, je ne sais jamais c'est dans quelle langue qu'il faut le dire. Et le petit Thalès, hein, évidemment Thalès, que de souvenirs. Pythagore, tout ça, les maths, évidemment. Ok, aujourd'hui il n'y a pas Mélodie, évidemment aujourd'hui il n'y a pas Mélodie. Puis là, on va pas l'appeler pour toutes les vidéos non plus, hein, faut pas déconner. Elle a une vie. Donc, total 164 cartes. On peut le voir ici. 60 communes, 38 peu communes, 30 rares, 23 super rares, 9 spéciales rares, 4 secrets. Bon, évidemment, on va pas se mentir, ce qu'on cherche à choper, c'est des secrets. Donc évidemment, comme c'est Noël, du coup, bah, la plupart des cartes qui vont être sorties ici seront à gagner. Voilà. Enfin, la plupart des cartes, évidemment. Si je voulais gagner la carte à 150 euros, on va se calmer un petit peu, quoi. Faudra qu'il y ait des conditions quand même incroyables. Déjà, faudrait qu'il y ait des conditions incroyables pour que je le tire dans 3, dans 5 boosters seulement. J'arrive même pas à l'ouvrir. Allez. Perfect. La phrase d'avant, j'arrive même pas à l'ouvrir. C'est un perfect, pas du tout. Mais pas du tout imperfect. Ok, donc ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Dragon Ball, enfin de cette Dragon Ball. Enfin, ça fait longtemps. La dernière qu'on a sorti, c'était pas il y a si longtemps, mais j'ai déjà oublié comment. Enfin, c'est genre comme Pokémon où il y en a 4 à la fin et qu'il faut mettre à l'avant, je sais plus. Donc, on a un petit Tenshin Han face à l'invasion. Voilà, donc ceux que ça intéresse, je vais se mettre pause pour pouvoir lire. Hein. Broly SS, Retour du démon. Une carte leader, donc. Ok, franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Le petit. Oh, bon, on continue avec du Broly. Je vais mettre les Broly de côté parce que ça intéresse toujours les gens, les Broly. Voilà, ça les intéresse toujours. Hein. Choper Broly. SS le guerrier éveillé. Caillou du Nord qui danse du maître. Petit Piccolo face à l'invasion. Son Gohan SS face au démon. Ok, pourquoi pas, un petit Son Gohan de cette édition, c'est sympa. Hit sur les gardes, sur ses gardes. Ok. L'ultime slime électrique. D'accord, ça c'est du Dragon Ball GT ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas tout vu dans Dragon Ball GT. Hein. Évidemment, moi je suis comme tout le monde, hein, j'adore me spoiler. Et du coup, je saute tout le temps des étapes parce que c'est grave relou les histoires chiantes. Voilà. Du coup, je vais direct au boss final. Voilà, c'est comme ça ma vie. Direct, allez, on va au combat direct. Son Goku Kaioken face à l'invasion. Oh, bénédiction de l'arbre sacré. Là, on rentre dans le vif sujet. C'est un booster Thalès qu'on a ouvert et on a l'arbre sacré. Enfin, sa bénédiction tout du moins. Le petit Krillin aide prompt. C'est la première fois que je vois Krillin comme ça. Ok, bon bah, pourquoi pas. Et, oh là 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 là, c'est pas mal en fait. J'allais dire c'est ridicule, mais c'est pas mal en fait. Universis Rassemblement, une petite rare pour commencer. Écoutez, Universis, franchement pas dégueulasse, hein. Voilà quoi. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal, on commence doucement. Voilà, je pense qu'on devrait ouvrir celle-là. On vient de toper l'Universis, peut-être que si on fait un combo Universis... Et eh ben, ça va bien sortir. Ah, l'arrière aussi change.
Là, c'est jaune et là, c'est bleu. Peut-être que ça veut dire qu'il y a des secrets dedans. Non, ça peut être pas du tout dire ça en fait. Ok. Comment se démoraliser? Non, ça veut pas du tout dire ça. Je me parle à moi-même. Ok. Ok. Tout est bien ouvert. Bon. Ok, le deuxième petit booster est ouvert. Le petit Yu Shenron. Voilà, donc c'est celui qu'on vient de voir sur la carte en fait, qui est ici justement, voilà, qu'on peut voir en arrière-fond. Voilà. Voilà, du coup, c'est Yu Shenron. Je vais mettre les Shenron aussi de côté parce que franchement, c'est sympa. Si à la fin on a tous les Shenron, on va pouvoir tous se les mater comme ça. Voilà, Broly SS terminant le travail. Ce n'est pas le même Broly que tout à l'heure, mais c'est sympa en vrai. C'est vraiment sympa. Je vais les séparer parce que sinon je vais devoir faire deux piles en fait. Vegeta, confrontation prédestinée. D'accord? Là c'est le Vegeta de la première partie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc de la saga les Saiyens. Ouais. Vegeta quand il arrive sur Terre. Écoutez, franchement, Vegeta, c'est quand même un boss, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein. Le Higher Dragon, que l'on a plus vraiment revu parce que son utilité n'était là que quand Son Goku ne savait pas voler. Un petit peu comme le nuage de Sangoku. Donc, fin absorbeur d'unisson. Voilà. Franchement, celui-là, c'est de quoi? C'est de l'Empire sombre. C'est ça la saga, d'accord. Ok, pourquoi pas. Je vais le mettre de côté parce qu'il m'intrigue quand même. Si on en chope d'autres après. Amando, puissance d'arbre sacré. Ok, un petit commandant de chez Thalès. Voilà. Caillou du Nord. Bon, Caillou du Nord, on va pas se mentir, ce n'est plus vraiment d'actualité. Boule d'énergie de Vegeta. Franchement, ça c'est sympa. Cette image, franchement sympa. Franchement, j'aime bien. Voilà. Pilina. Combinaison de l'univers 6. J'avais dit qu'on aurait l'univers 6. Peut-être qu'à la fin, on a un univers 6 sympa. Hein. Feu de forêt. Ah bah voilà, il a le dragon IT, je sais plus quoi là. IT Dragon. Hero Dragon, c'est ça. Hero Dragon. Feu de forêt du coup. Et ce n'est pas fini. J'ai mal calculé, ok. Broly, le démon endormi. Franchement, celle-là en reverse, ça doit être vraiment très beau. Avec les petits effets miroirs ici qui brillent, et ce serait vraiment magnifique. Franchement, je dis ça, je dis rien, mais je dis beaucoup. Waouh, ok. Franchement. Ok, bon bah c'est la deuxième rare du coup. Deuxième rare, on n'a pas eu de reverse encore. Kale SS, combinaison de l'univers 6. Oh, j'avais dit qu'on aurait l'univers 6 ou pas? C'était prédestiné. Ou alors il n'y a que des rares en univers 6. On ne sait pas, on ne sait pas. En vrai, je ne me suis pas du tout renseigné sur ce qu'il y avait dans les boosters pour pas me spoil. Voilà, moi qui adore me spoil pourtant. Voilà, du coup, je ne me suis pas spoil cette fois. Je me suis laissé la surprise. Voilà, comme ça. On apprend tout ensemble en fait. Et franchement, je trouve que c'est pas si mal dessiné que ça. Pas si mal, pas si mal. C'est pas incroyable, mais ce n'est pas si mal dessiné que ça. Ok, le suivant. Allez, on y croit. Peut-être que cette fois je vais réussir à bien l'ouvrir. Ou peut-être pas. Franchement, je comprends pourquoi c'est. Ah voilà. En fait, il faut se plaindre. Il faut se plaindre du booster en mode je n'arrive pas à l'ouvrir et il s'ouvre tout seul. Bon, là j'ai rien dit. Je reste comme ça. Ok, parce qu'il y avait un petit filament qui était bloqué sur la gauche et du coup je ne pouvais pas sortir les cartes. Ok. Donc, troisième booster. Regardez comment il est bien abîmé du coup. Encore un Tenshin Han face à l'invasion. Bon bah ça en fait déjà deux. Donc franchement, pourquoi pas. Raisin. Le deuxième de l'équipe. Voilà, je crois qu'il y avait ça ou ça aussi. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est avec couleur. Oula, je m'égare, c'est sale ça d'ailleurs. C'est pas ça ou ça. Oh, bref. Krillin, soutien fidèle.
Non, qu'est-ce que je fais? C'est pas une carte éveil. Krilin soutien fidèle, c'est une carte X, du coup une carte Xeno. On va la mettre de côté ici aussi, parce que bon, ce n'est donc pas une carte normale. Sangohan, SS face au démon, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le Irai Dragon aussi. Le Yamcha face à l'invasion. Il va donc avec le Tenshinhan face à l'invasion. Incroyable, n'est-ce pas, cette réflexion? Champa juste à temps. Juste à temps, Champa. Ça aurait été mieux dans l'autre sens. Juste à temps, Champa. Mais bon, on ne décide pas pour eux. Planète de Maître Kaio, sympathique à voir. Sympathique. Frost tournant de l'évolution. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être qu'on va avoir une secrète ou un truc dans le genre après. Une commune qui brille. Ah non, non, il en reste une, il en reste une. Encore une fois, je me suis fait avoir par le mauvais compte. Et c'est le moment où je dois crier ou pas? Non mais parce que très clairement là, c'est quand même une petite SPR hein, en 5 boosters quand même. Franchement, bon allez, est-ce que je suis sympa? J'ai acheté ça à Ultra Jeu. Ok. Et la dernière fois qu'on a ouvert un truc d'Ultra Jeu, on a topé 2 GR, donc dans Vanguard, je vous laisserai le lien en description si vous voulez. Et en gros, c'est la même personne qui m'a donné les boosters. Il a vraiment la main très chanceuse, ce gars. Parce que franchement, il me donne tout le temps des boosters où je chope des trucs. Franchement, va falloir que j'aille chercher une sleeve très rapidement, du coup. Du coup, c'est l'ultime boule d'énergie négative. Voilà, je vais essayer de pas trop la toucher. Je vais la mettre de côté. Voilà. Je vais la mettre au sleeve tout à l'heure. Voilà, si vous voulez, à la fin, on regarde les prix ensemble. Pour celle-là, hein, parce qu'on va pas se taper toutes les rares. Hein. Il y en a qui coûtent 2 centimes, c'est bon, quoi. Mais franchement, vous voyez là, j'ai pas d'émotion parce que je suis pas dans un bon endroit pour crier. En fait, c'est un peu comme si j'étais dans une bibliothèque. Hein. À partir d'une certaine heure, on peut pas crier. Ok. Normalement, là, c'est bon, ça passe. Allez, je ne suis pas très très nul. On a fait une petite pile là ici. D'ailleurs, ça c'est un broly, j'aurais dû le mettre ici. Hein. Bon. Oh, sympa ça, recrutement. Voilà, si vous cherchez à faire une association, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous les attrapez comme ça et vous leur dites, rejoins mon association. Allez, recrutement. Broly, SS le guerrier éveillé qu'on a vu tout à l'heure. Le petit Vegeta qu'on a vu tout à l'heure. Oh, ma waifu. Towa appelant les hordes. Petite Towa, franchement très sympa. Monstre du désert. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ça, c'est avec la saga de Piccolo, ça, non? C'est quand il l'envoie. Ouais, c'est ça. Hein. Ah non, c'est la saga de Thalès. D'accord. Ok. Je pensais que c'était pour l'entraînement avec Piccolo, mais d'accord. Caulifla SS riposte rapide. Franchement, très sympa à récupérer. Hein. Les petites Caulifla comme ça. Caillou du Nord. Frost, encore, on a déjà vu. Donc, Caillou et Frost, on les a déjà vus. L'ultime œil glacial. Très très sympa ce Shenron, mais je n'ai plus son nom en tête. Voilà, il y en a beaucoup, hein, faut pas. Il y en a 7. Il y en a beaucoup. Du coup, rituel du village Natadé. Je n'ai plus aucun souvenir de ce village. C'est donc qu'il n'était pas très important. Pilina qu'on a vu tout à l'heure et une SR. Franchement, une SR et une SPR à la suite. Très très sympa. Hit manipuleur du champ de bataille. Incroyable, franchement. Franchement, là, c'est incroyable ce qui se passe. Je joue avec la lumière là. Pour essayer de vous montrer à quel point c'est vraiment bien fait. Voilà, franchement. Je vais pas la mettre dessus, je vais la mettre sur la pile de Broly. Franchement, comme je vous l'ai dit, le gars d'Ultra Jeu, c'est un gars ou une fille? Oh bon, bref, le vendeur d'Ultra Jeu. A vraiment une main de champion quoi. Franchement, je pense ils ont de quoi fidéliser les gens hein, si vous voulez que je vous dise. Tu viens pour un truc qui te fidélise bien hein. Ça se trouve c'est vraiment ça hein, c'est une technique de fidélisation genre non non c'est faux. Écoutez pas ce que je dis hein, genre c'est full faux ce que je dis là. Jamais des boutiques feraient un truc pareil là, franchement arrêter quoi, mais franchement, il y a vraiment de la chance. Hein. Le bout des doigts en or, quoi.
comme on dirait, je sais pas trop où, mais du coup, comme on dirait, je sais pas trop où, bah moi je le dis. Voilà, parce que je fais ce que je veux. Alors, Son Goten SS. Oh, suivi d'un petit Kabal. Kabal. Son Goten, du coup, avec une boule dans Dragon Ball 2. Ok. De Dragon Ball 2. Ouais, c'est ça. Kabal SS, combinaison de l'univers. Ok. Combinaison de l'univers 6. D'accord. Oh, un petit Son Gohan, mésaventure. En fait, c'est encore à l'envers. Ça aurait été mésaventure Son Gohan. Ça n'aurait eu aucun sens, mais ça aurait été beaucoup plus logique que ça. Ou alors ils auraient dû mettre un là, la mésaventure Son Gohan, ou alors Son Gohan, la mésaventure. Là, ça aurait été mieux. Rajouter un là ici avant mésaventure et c'est bon. Du coup, c'est quoi comme. C'est une UR, franchement. Une UC, pardon. Une uncommon, donc une peu commune, qui est franchement très très bien dessinée, je trouve. Son Goten, le début du voyage. Caulifla SS, combinaison de l'univers 6, qu'on a déjà eu tout à l'heure, je crois. Encore une fois, le petit dragon, bataille de l'arbre sacré. Towa appelant les hordes, oui, on l'a déjà eu tout à l'heure. Le petit Krillin qu'on peut voir en fond juste ici en plus. La rencontre avec le monstre. Tiens, c'est Videl ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, dis donc? Je crois qu'on aurait pu se spoiler si ça avait été une carte incroyable. L'arbre sacré, racine divine. Tirer l'arbre sacré, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. L'éveil du démon. Encore une fois, je le dis, hein, mais pareil que l'autre, celle-là, en reverse, elle doit être magnifique. Je ne sais pas si elle y est en reverse, mais elle doit être magnifique. Et une autre SR. D'accord, deux SR à la suite. Bah écoutez, moi ça va, quoi. Son Goku, un cadeau de la Terre. Franchement. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait gagner parce que là, moi je m'attendais à choper un petit peu des trucs que je chope d'habitude. Hein. Si vous voyez ce que je chope d'habitude, c'est pas du tout ça. Franchement, là, le gars d'Ultra-Jeu, il m'a régalé, enfin le vendeur quoi. Il m'a régalé vraiment beaucoup. Bah écoutez, si vous voulez, on peut vous envoyer toutes les communes. je sais pas du tout. Envoyez-moi des messages ou je sais pas quoi de ce qui vous intéresse parce que là vraiment ça va être compliqué de faire un choix très clairement vous savez quoi je pense qu'on va vous envoyer un booster je vais aller acheter un booster en boutique demain et je vais vous l'envoyer je pense qu'on va faire ça voilà et je vais demander au vendeur de toucher le booster comme ça vous aurez de la chance vous aurez plein de chance. Le même vendeur, il va être là tous les jours. Je demandais non, 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 me donnez pas. C'est lui qui doit me donner le booster. Voilà. Bon, bref, non, vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé déjà. Ça fait un. Hein. Bon, allez, n'hésitez pas à laisser un like, quoi. On a quand même une SPR, deux SR et deux rares en 5 boosters. C'est franchement pas mal. Voilà. Et du coup, pour Noël, eh ben, dites-moi ce que vous pensez qu'on devrait se faire. Est-ce que je vous achète des boosters? Est-ce que je vous envoie toute la pile de communes qu'on vient d'avoir? Est-ce que je vous envoie des rares qu'on vient d'avoir hein? Je sais pas quels rares pourraient vous intéresser. Donc ça, c'est pas des rares. Ça, c'est les rares qu'on a chopés. Une petite Kale et une petite Univers 6 Rassemblement. Voilà, dites-moi également si vous jouez à ce jeu. Voilà, dites-moi si vous voulez que j'ouvre plus de boosters. Parce que là, les gars, on est devant une mine d'or, quoi. Voilà, à la limite, je peux vous envoyer ça. Hein. Son Goku, cadeau de la Terre. Bah, je vous en fais cadeau, quoi. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Franchement, j'ai aucune idée construite, précise, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine. On espère avoir également une autre SPR la prochaine. Ciao, ciao. Je sais pas pourquoi je suis parti. C'était pas fini, en fait. Du coup, ouais, je fais bouger la caméra en plus. Bah du coup, comme j'ai dit, on allait se renseigner sur les prix à la fin. Donc, voilà, vite fait. Donc, 50 centimes, évidemment, la rare. L'autre rare, elle est à combien? Bah, il faut écrire, en fait, je suis con. Univers 6. Rassemblement. Ok. Voilà, 50 centimes aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai été assez surpris. Du coup, là, faut avoir un peu confiance en moi. Donc, ces trois-là, la plus chère, voilà, c'est Hit.
Voilà, donc ici on a 8 euros à peu près. C'est 5 euros, ouais, entre 5 et 8 euros. Ici on est entre 10 et 12. Voilà, donc la SPR, elle est entre 10 et 12. Et Hit manipulateur du champ de bataille. Voilà, donc qui est aux alentours des 14. Voilà. Voilà, je me suis renseigné pareil sur le même site, hein, parce que là j'ai la flemme de tenir les deux en même temps. Et du coup, vite fait un récap. Donc, franchement, les communes vraiment très intéressantes pour moi, c'est vraiment ces deux-là, Fin et l'Arbre Sacré, qui sont vraiment très sympas. Je dis pas que le reste est pas sympa, hein. Franchement, les designs sont bien faits, mais c'est juste que voilà, parmi ceux-là seulement, je trouve vraiment ceux-là très beaux. Voilà. Et les peu communes, vite fait on récap. Alors, petit son de Goten. Voilà, je les ai déjà triés dans l'ordre à peu près. Non, ils sont triés dans l'ordre en fait, je sais pas pourquoi je dis à peu près, ils sont vraiment triés dans l'ordre. On n'a eu qu'un seul bleu en peu commune. Ici on a eu deux fois Vegeta, le petit Krillin en Xeno qui fait plaisir. Deux Tenchi. Voilà. Franchement, très très sympa. Voilà. Et sur ce, du coup là oui. Ciao ciao.